et de parole du groupe francophone du 11e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de mes problèmes, mais nous sommes là pour parler de vos problèmes. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Frédéric, mais vous pouvez aussi m'appeler Freddy, Freddy ou Freda. On va commencer, hein. Vous pouvez commencer. Vous pouvez dire comment vous appelez et tout. Je veux. Frédéric. Oui, ça c'est mon prénom, comme je viens de le dire. Je m'appelle aussi Frédéric quand même. C'est toujours. C'est. Voilà. Je. C'était très intéressant, merci. Nous allons passer à vous, monsieur. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors moi je m'appelle Frédéric, j'ai 20 ans, je viens tout droit de la Sibérie et dans la vie, pour mon plus grand malheur, je suis qu'un pauvre SDF. Mais c'est marrant, mais moi j'ai connu un SDF qui habitait juste à côté de chez moi. Ah, c'est très sympathique, hein. À chaque fois que j'étais sur toi, je lui disais bonjour, mais, voilà. Merci, mais c'est... Oui, c'est pas grave. Merci. Ouf. Alors, j'ai quitté mes parents à l'âge de 12 ans pour aller vivre dans la rue comme un misérable. C'était vraiment plus possible pour moi de vivre avec eux, étant donné qu'ils me maltraitaient au quotidien comme un moins que rien. Alors j'ai décidé tout d'un coup de prendre mon indépendance et de devenir autonome pour réussir à m'en sortir dans la vie, même si aujourd'hui je vous avoue que je vis une vie pitoyable, sans abri et sans nourriture. Regardez, par exemple, j'ai toujours mes gants et ma doudoune avec moi, j'arrive vraiment pas à m'en séparer, étant donné que je suis frileux et que je vis dehors dans un froid glacial. Et mon souhait dès l'année prochaine est de prendre de nouvelles résolutions et un nouveau départ pour changer de vie. Mais c'est dingue. Enfin, franchement, je trouve ça c'est très drôle parce qu'en fait j'ai exactement le même problème. Vraiment? Oui, exactement. À part que j'ai une maison, j'adore mes parents, on s'entend super bien, on mange tous les samedis, on mange des petites... Tout contrairement, quoi. Ah non, vraiment pas. Parce que vous savez, quand je rentre dans une maison sans chauffage, j'ai froid. Et vous savez que ça, il y a une étude sous-tardée qui a montré qu'en fait c'était une maladie. Voilà, justement, cette surfrilosité, voilà, c'était une maladie de la peau sous-cutanée. Mais écoutez, monsieur, c'est super intéressant, mais c'est malade de parler. Ok. Et comment on peut... Pour eux, je leur fais. J'en ai aimé. Oui, c'était. Voilà, c'était. C'est poignant, on a senti l'émotion. On va donc passer à... Bonjour à tous, enchanté. Quelle surprise, je m'appelle Frédéric. Bon, honnêtement, toute cette histoire de Noël, Nouvel An, m'a jamais convaincu. C'est un jour comme les autres, vous voyez. Mais le fait de me retrouver toute seule, chacun, m'a fait penser que peut-être cette magie, elle existe. Vous savez qu'il y a un effet psychologique justement derrière les fêtes. Bon, en général, les gens sont heureux, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux. Voilà, il faut se dire qu'il y a beaucoup de suicides pendant les fêtes, c'est le fait d'ailleurs justement. Voilà, donc il y a des gens qui sont heureux et puis d'autres, voilà. Alors, s'il vous plaît, on va éviter de parler de suicide. Ah oui. Ah bah, si tu voilà, et je crois que tu voulais parler. Hé hey, c'est à moi. Oui, c'est à vous de parler, c'est vrai. Ouais, c'est à moi. Bon, moi je me présente, je m'appelle Frédéric. J'ai rien à voir avec cette bande de tocards. Tocard ? Non mais c'est qui lui ? Qu'est-ce qu'il fait avec ça d'abord ? Ouais, des tocards. Alors premièrement, monsieur a très bien le droit de venir ici parler de ses problèmes. Par contre, le pistolet, c'est pas obligé. On peut le manger. Si, c'est obligé. Voilà, moi je viens vous voir parce que tous les ans de Noël, c'est la même histoire. Je me retrouve tout seul, sans amis, sans personne. Parce que j'avais un ami, un super ami, et je l'ai tué. Vous savez que ça, c'est un Colt 45, c'est très utile. Ami, il est mort comment? Ah, en influence. Mais il a... Alors, il se freelance. Non, pas, mais... Pas loin de la Bastille, Concorde. Vous vous rendez compte, avec, je peux pas être tranquille dehors avec des types comme ça dans la rue. Non, mais faut pas s'inquiéter avec que des gens importants. Pas toujours. Et c'est censé me rassurer, ça? Alors, premièrement, essayez de pas être méchant. Monsieur est un nouveau adhérent. Il vient présenter son problème, et comme tout le monde, vous savez, c'est pas facile, monsieur a perdu un ami. Moi aussi, j'ai déjà perdu un ami, c'était pas facile. Enfin, quand j'avais 5 ans, mon meilleur ami, c'était Michel. Michel, c'était un petit rat, on se mangeait des carottes, et en fait, il était trop mignon. Et on jouait à plein de jeux, et du coup, moi, j'avais pris la carotte, j'avais dit, non, je vais lancer la carotte. Et il courait, il courait, pas. Il s'était pris un mur.
sûr. Et du coup, j'avais écrit un poème, c'était carotte, carotte, tu es la carotte. J'aime les carottes et tu aimes les carottes. Carotte, carotte. On est deux à aimer les carottes. Et c'est bon, on a compris, là, je crois. Oui, c'est à vous parler. Oui, non, de toute manière, c'est à moi, hein. Alors bonjour, moi je m'appelle Frédéric et j'ai un problème dans la vie, j'arrête pas de parler. Voilà, j'arrive pas à m'empêcher de parler. Je parle tout le temps à chaque fois que je commence à. Je parle, vous savez, je suis quelqu'un qui se documente beaucoup, je rentre souvent dans les bureaux. Mais ta gueule! Ta gueule! Donc, ça va pas de couper à la parole du jour comme ça. Alors, premièrement, on va éviter les insultes ou les mots grossiers. Les mots grossiers sont bannis de cette plaie, de cet endroit. Alors, on va passer à monsieur. Où est-il ? Bonjour. Bonjour. Alors, moi aussi, je m'appelle Frédéric, comme vous tous. Et je suis plus là en tant qu'observateur, puisque, contrairement à vous, je n'ai pas de problème particulier. Ce qui fait que je suis à peu près normal ! Désolé. Okay. Non, mais je suis à peu près normal et je suis pas un tocard ! Dans le sens où je suis plus là pour vous observer et voir un peu vos. Alors, premièrement, on va pas faire ce genre de bruit ici parce que ça peut rappeler des souvenirs pas très. Voilà. Oui, du coup, ça va être à madame de parler. Bah, ça va trop tôt. Bonjour à tous. Enfin, je sais même pas pourquoi je vous dis bonjour parce que moi je suis là parce que j'aime pas les gens. Et là, vraiment, je vous écoute depuis tout à l'heure et vous me saoulez tous. Toi, tu pleurniches là tout le temps pour rien de ce que tu racontes en plus. Donc arrête de pleurer, c'est bon. La vie est belle, non? Toi, si t'as faim, bah, tu mets un pull, c'est pas compliqué, non? Toi, t'aimes pas Noël, là, 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 quel grave problème dans la vie. Et puis alors, toi, tu parles beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Faut se taire, on s'en fout de ce que tu nous racontes. Et puis alors, est-ce qu'on en parle du taré qui est à côté de moi? Faut le faire interner, le type, quoi. Franchement, ça va pas. À la limite, le seul avec qui je pourrais m'entendre, c'est toi. Parce que tu tues des gens et vous me donnez tous des envies de meurtre, franchement. Alors, combien? J'ai pas fini. Parce que je crois qu'en fait, la pire, c'est vous ici. Vous servez à rien, mais à rien du tout. Puis votre histoire de rat, là, Michel, mais on s'en fout. Complètement. On s'en fout. Alors, premièrement, c'est assez méchant de dire ça comme ça. C'est Michel! Parce que vous auriez pu dire autrement. Hein. Et Michel, et ben, c'était mon meilleur ami, lui, pour un peu de respect. Et je pense que j'étais quand même assez utile car j'ai distribué la parole. Bah non, moi j'ai arrêté de parler par exemple. Oh mon dieu, je suis vraiment désolée. Vraiment, je suis désolée. Attends, bah écoute, comme on a bientôt fini la séance, je pense que tu pourrais me donner une information assez rapide sur ta vie, comme t'as pas envie de parler, je sais pas trop. Bah, je sais pas, moi, il est 23h59, c'est nul. Il est 23h59. Il est 23h59, attention. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Ça, c'est. C'est Brenda! C'est pas ça. Non, mais tu t'es trompé. Ça peut arriver. Alors, ça veut dire que dans une minute, il sera minuit. Ah, c'est super ça, enfin une bonne nouvelle! Oui, c'est ça ce que je m'entends, c'est ça! Alors, tout le monde est content, tout le monde s'aime tous, car on est comme une famille, hein, vraiment. Du coup, on va se lever, on va célébrer tout ça ensemble. Allez, on se lève! Tout le monde se lève! Allez. Santé, à la nouvelle année. 10, 9, 8, 7, 6, 5,